notre cahier. Tout à coup, j'ai senti quelque chose de dur me tenait par le bout et me tirait avec force. J'ai résisté, résisté, résisté. Mes sœurs me tenaient et ne voulaient pas me lâcher. Mais en vain, on m'a enlevé de ma famille. C'était une main qui m'a déchiré de mon cahier. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis seule maintenant. On m'a enlevée pour tricher. Oh grand Dieu! Oh grand Dieu! Faites à ce que je ne participe pas à ce crime. S'il vous plaît, grand Dieu! On me pose sur la table et je sens un objet dur qui passe sur mon corps. Je le reconnais. Ça me chatouille. Ce doit être un stylo. Mais pourquoi écrit si petit et si fin comme ça? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Voilà ce dont j'avais peur. On s'apprête à tricher durant un examen. C'est insupportable. C'est blessant, c'est humiliant. On m'applique dans un crime. Je ne veux pas être appliquée. Laissez-moi, laissez-moi honorer que de faire ça. Je sais que je suis faite pour qu'on écrive sur mes lignes, mais pas de cette façon, et pas pour cette raison. Aïe, aïe, on est en train de me plier, et plier, et plier, et passer la règle sur mes bas pour les aplatir. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Que fait-on encore? Où m'a-t-on mise? Mais il fait noir. C'est plein de sueur. Je crois que je suis dans une casquette. Attendez, attendez, attendez. Je crois qu'on va me changer de place. Ouf, ouf, c'est lourd. Je suis écrasée et ça sent mauvais. Je crois que je suis dans une chaussure. Qui sait encore où va-t-on me mettre? Qui sait si je vais rester vivante ou mourir? Une cousine à moi est morte avalée par un tricheur qui avait d'être pris en flagrant délit. Alors, pitié! Pitié!